Le domaine des oliviers se situe au niveau de Cornillon-Coufoux, entre Aix-en-Provence et Marseille. Donc on est plutôt bien placé et on reste dans un cadre champêtre avec un environnement extrêmement calme qui est très agréable pour ses occupants. Cette villa a été entièrement rénovée dans les années 2000. Donc aujourd'hui, on a 370 mètres carrés quand même de superficie habitable en exposition plein sud. On a le soleil en fait toute la journée. Dans le projet de rénovation, ils ont voulu moderniser et ouvrir avec de larges baies. Donc on se retrouve avec une pièce à vivre extrêmement agréable qui fait quand même quasiment 100 mètres carrés en tout. Sur cette villa, il y a eu un projet d'extension pour desservir 4 chambres supplémentaires. Donc aujourd'hui, la villa propose quand même 7 chambres avec leur salle de bain, leur salle d'eau privative, d'où l'idée, pourquoi pas, de mettre en place une chambre d'hôte. Voilà, donc c'est vraiment une maison qui est évolutive. Donc l'entrée principale et puis nous avons également une entrée de service. Et en parlant d'entrée de service, vous avez bien sûr un appartement de service pour le gardien. Cet appartement, c'est un beau T2 hein, qui a également été entièrement rénové à la même époque que la maison. S'anime autour de la bergerie parce qu'on a cette magnifique piscine traditionnelle, bergerie qui a été complètement rénovée avec authenticité et goût. Elle fait 45 mètres carrés justement pour faire un petit univers très intimiste où les gens peuvent se retrouver et puis passer un moment chaleureux. Alors, le domaine des oliviers porte bien son nom parce que sur ce parc qui est absolument magnifique, qui fait plus d'un hectare, nous avons quand même plus d'une centaine d'oliviers, dont certains qui sont centenaires, qui sont classés. Donc vraiment, c'est un parc où on peut se promener. C'est vraiment une maison qui a un charme fou et qui dégage de belles énergies. On a envie d'y rester. Agréable pour ses occupants.